Bon, on va l'appeler Boubou, hein. Boubou. Non, pas tous en majuscule, faut pas déconner. Hein. Boubou, le petit bonhomme rose. Allez, c'est parti. Oh yeah. Avec des strats, les gens. Incroyable. Ce run est un run. C'est mes splits, ça? Ah oui, c'est vrai que j'avais... Oui. J'avais gold. J'avais gold sur le premier split. On fait la vague. On fait la vague. Je suis vachement loin là de ma webcam. Je sais pas trop comment je pourrais la zoomer. On voit même pas le t-shirt corpo, quoi. Elle est bien cette chambre. Hein. Dommage qu'il n'y ait pas la connexion internet qui va avec. Yo lolo, et merci. Ouais, bah là j'ai le temps, Alex. Là, j'ai relativement le temps. Mais c'est juste qu'en fait, dès que je charge une page ou un truc dans le genre, j'ai peur pour la connexion. Yo le Noche, merci beaucoup. Ça commence déjà par GG, hein, d'ailleurs. C'est même pas good luck, hein. C'est ouais, bravo, c'est bon, tu vas PB, c'est sûr, c'est certain. Non mais là je suis pas sur mon mobile, Alex, en fait j'ai 5 gigas en fait et je peux pas me permettre de stream Ah, ou alors tu parlais juste de RT, mais là de toute façon je l'ai fait là. Ah. Non, si tu parlais juste du RT de toute façon ça va, hein, mais... Et si tu parles pour stream en partage de données, bah le problème ouais, c'est le forfait quoi. Ouais, je m'en doutais. T'inquiète, j'avais compris. C'est bordel sur mon bureau, il y a des fils. Et à côté des fils, bah il y a des fils. Et à côté des fils, il y a des câbles. Ouais, non, pour le RT, ça va quoi. En fait, même l'intro au début là, même cette partie là, c'est déjà rien que ça, c'est déjà plus long que OT quoi. C'est... Oh là là. Hey. C'était un magnifique upwarp. Et ben voilà, on est reparti pour une petite cutscene. Faudrait que je vois quand même si je peux essayer d'implémenter la nouvelle route sans que toutes mes runs meurent sur le nouveau trick. Faudrait vraiment que je sois 100% constant dessus. Merci pour le follow, Jésus le Slayer. Ben, le truc qui pose problème, c'est le tout nouveau en fait. Justement, c'est ce qu'on appelle le wallet dupe.
Donc ça consiste à dupliquer la bourse pour qu'en fait le jeu nous donne la grande bourse et puis direct après la plus grande bourse, quoi, le Giant's Wallet. Et yo Jésus du coup. Merci encore pour le follow si t'avais pas entendu. En fait ce trick, il faut genre faire un input frame perfect après une cutscene. Bah du coup c'est chiant. Parce que si tu le rates, tu perds. Alors c'est au début du quatrième cycle dans la route. Donc tu perds environ 2 minutes 30 je crois. Enfin 2 minutes 30 si tu le rates. Ce qui est trop, hein. Concrètement c'est trop pour. Déjà que dans la run, dans les deux routes, il y a déjà le Turtle Cutting Skip là, le truc pour aller au temple de la Grande Baie. Donc déjà ça c'est déjà pas drôle. Et l'autre il est un peu moins punitif du coup là, le Wallet Dupe, parce que tu peux appuyer sur Start, tu peux appuyer sur le poisson, parce qu'il faut sortir un poisson en fait pour commencer le glitch. C'est ce qui permet de créer du délai. Tu peux aussi sortir une bombe, donc tu peux appuyer sur 3 boutons. Mais même ça, même malgré ça, c'est. Non. Oui, c'est moi, Jésus. C'est moi. C'était à la convention de Genève. Ça remonte hein, déjà mine de rien, le temps passe vite. Ah bah c'est gentil ouais. Ouais j'ai essayé de faire des commentaires assez sobres parce que je me suis dit putain 4 heures de run. Si je commence à commenter en mode Squeezie. Ça va pas le faire. Hein. Je suis vieux. J'ai 6 mois. Oulala, qu'est-ce que je suis vieux. Vous avez remarqué que Link il marche pas droit dans ce couloir. Alors, il part sur le côté comme ça, puis à la fin il revient droit. Genre les développeurs ils pouvaient pas le faire marcher droit. Blague. C'est quoi ce délire? J'ai jamais fait un pause buffer aussi dégueulasse, c'était ignoble. Je vais perdre 15 secondes sur ce split. Yo tout le monde, c'est Amazesero, on se retrouve pour une nouvelle run. Ouais, là j'ai galéré pour le pause buffer, hein. J'ai pas compris. Hein. Mais des fois il y a du lag interne au jeu en fait, genre selon comment est placée la caméra en fait. Et merci Scum, bisous. Mais bon, ne vous en faites pas, il y a du temps à sauver, mais tellement partout en fait. Essayez de me rapprocher un peu là. J'ai l'impression d'être à 200 km.
En fait, j'ai dit 15 secondes, mais j'ai aucune idée de combien de temps je vais perdre. On verra. Mais je pense que c'est à peu près ça. Le fameux girlfriend jinx. Regardez le bomber, c'est là pendant la cutscene, là, je le vois se diriger vers moi, là, je sais qu'il veut me parler. Là. Je sais, c'est les petits gamins qui distribuent des prospectus dans la rue, là. Regarde là, ce petit bâtard. Là. Ouais, t'inquiète, Xeniz, hier. Non, attends, c'était. Je sais même plus si c'était hier ou avant-hier, mais. J'ai pleuré aussi. Hein. Oh putain. Pourtant j'avais bien attendu. Hein. Yo Austria. Et ok Alec, Xeniz, des bisous. Merci d'être passé quand même. What Alex? Est-ce que j'ai dit ça un jour? C'est ça, c'est pour un sondage monsieur. Yo Afropoa, et merci. Oh là là, je perds du temps. Je perds encore du temps. C'est pour invoquer le grand esprit vaudou du bébé. Personal best. Yo Azox, oui du Zelda, les meilleurs jeux du monde. N'empêche, je veux pas dire Austria, mais. Ouais, c'est vrai que la fin était décevante, hein. Il y avait quand même 5-4 pour Austria, hein, à un moment. Et ça a fini à 13-5 pour moi. Donc c'est un petit peu fait Barça Paris quoi. J'ai pu tester le nouveau. Le nouveau. Oui. Le nouveau quoi, la nouvelle route, le nouveau glitch, le nouveau. Le nouveau meuble Ikea, le. En parlant de meuble Ikea, j'ai commandé une nouvelle chaise. Ah, le nouveau Zelda. Bah non. Non. Je ne l'ai malheureusement jamais testé. Je n'y ai jamais joué. Pas une seule petite seconde. Ce qui est fort triste. Breath of the Wild. Ah, bien joué Alex. C'est pour ça que t'as payé aussi Menou pour que Chopper et moi on se retrouve en finale. Ouais. Bien vu. Un ruby. Et rubies. Si on était en Taz, on pourrait avoir 200 rubis dès le premier cycle. Ce serait tellement bien. Bon, je vais pas faire le con. Il y a moyen de clip à travers la porte là, et puis de revenir après.
suis pas sûr de l'avoir bien poussé. Ouais, donc certes, je vais perdre du temps sur ce split, mais regardez, là, il y a 30 secondes, ouais, même plus que 30 secondes à sauver, 50 secondes à sauver, ça c'est n'importe quoi. 40 secondes à sauver, bon, là c'est le split qui commence à devenir chaud. Là il y a encore 40 secondes à sauver, 40 secondes, 40 secondes, 40 secondes, 40 secondes, les paquets de 40 secondes à sauver dans mon run. Il y a combien de streamers? Bah actuellement il y en a 12, il me semble, si je sais bien compter. Et dans l'ordre alphabétique, je suis deuxième. Ouais. Et ouais, tu peux tous les voir sous le stream. Voir leur nom. J'avais plus de piles dans la manette. C'est le Stalfos du Forest, hein, c'est à cause de lui. Allez, si je fais bien mon DQ spin, je devrais arriver à 5,59,05. C'est pas grave. C'est pas grave, la run est morte. Les chocos, les pains chocos. Eh ben, ils sont hors bannière. Ils sont juste à côté. On les a tous mangés. Dididididing. Voilà Link. Si t'avais pas balancé l'Ocarina de Saria dans la flotte après avoir récupéré l'Ocarina du temps, on n'en serait pas là. On n'en serait pas à une putain d'intro qui dure 17 minutes. Allez, 20 secondes, hein. Quand même. Hein. Ok, cool caméra, hein. Merci. What the fuck. Comme j'ai dit, c'est pas grave. Je pourrais déjà repasser devant sur ce split là. Ouais, c'est malheureux. Hein. Et puis c'est pas fini. Hein. Là, il y a cette cutscene. Après, je joue Song of Time. Je dois reset. Je retourne dans Clock Tower. Et là, il faut que je regarde la cutscene du vendeur de masques. Et après, bon, on me laisse tranquille un peu. Après il y a la sonate, mais bon, ça va. TikTok. Allez, déesse du temps, il nous faut plus de temps. Eh hey, mais où as-tu trouvé cet instrument? C'est un peu la webcam. Bonjour. Bah, je la rebouge. Je la rebougerai quand j'aurai le temps.
En même temps, si j'étais pas surnommé Ama casseur de chaise, j'en serais pas arrivé là. Le Marco skip. Et le runner guy skip, alors il est où? Putain, Astrea, please. Pourquoi j'ai reset? Alors en fait, très bonne question, petit Azox. Parce qu'en fait, quand on joue le champ du temps, donc dès qu'on appuie sur A, le jeu sauvegarde direct en fait. Et en principe, c'est plus rapide de ne pas reset, donc de laisser le jeu normalement. Sauf dans deux cas. Et en fait, ces deux cas, c'est les deux cas qu'on va rencontrer tout le temps en speedrun. Donc le premier cas, c'est quand tu joues Song of Time pour la toute première fois. En fait, la cutscene est un peu plus longue. Parce qu'on voit Link là dans la forêt et tout. Donc du coup, c'est plus rapide de reset. Et le deuxième cas, c'est quand on va faire un glitch qui s'appelle le Song of Time, Storage. Donc ça, c'est un glitch qui consiste en gros à stocker le champ du temps. Et en gros, on peut le jouer n'importe où. Et on va s'en servir en fait quand on va rentrer dans une blue war pour récupérer un masque. Après, il y a la cutscene des géants là. Et en fait, on va s'arranger pour que on rentre dans la blue warp, on sauvegarde, et en fait, le jeu considère qu'on a fini le donjon, on a récupéré les restes du boss. Et donc, on reset à ce moment-là pour éviter de se taper la cutscene des géants. Alors, la cutscene des géants, on va quand même la voir deux fois le masque, parce qu'il faut la regarder au moins une fois pour choper le champ, là, l'hôte de l'appel. Et une deuxième fois, faut la regarder parce que. Parce que c'est celle de Dolois et à la fin il y a la princesse Mojo, et la princesse Mojo faut la récupérer pour pouvoir récupérer des masques. Ah, il y a Oshinien et Snowin. Je savais pas qu'il y avait encore Snowin. Attends, ouais bah je vais peut-être pas regarder maintenant, si remarque je peux peut-être. Dépêche-toi de charger. Snowin. Ah oui, Snowin, en effet. Il est vrai. Tu dois partir modéré. Oh. Tu peux rester, tu sais. Hein. Non. Déjà récupéré notre premier masque, incroyable. Je sais pas contre qui il a perdu Auxilia, contre Marco. Ah là, ces mouvements incroyables. Non, c'était dégueulasse en fait, mais. Ouais, Ah oui, c'est le deuxième masque, oui, parce qu'il y a le. Il y avait le DQ masque avant. Ah, c'est ça, Alex, ouais. Aïe.
Yosuke Icebot. Merci. Et toi là, donne-moi ton argent. Ah, boule de feu, mec. Je sais pas ce qu'est ce bot. Je pense pas, je sais pas. Oh, ouais, je remarque, je sais pas. On verra. En tout cas, je ferai pas le tournoi parce que je suis au troisième tour et j'ai pas d'adversaire pour l'instant. Genre les. Enfin, bah, un de mes deux adversaires là. Ils sont tous les deux au deuxième tour quoi. Je sais pas encore contre qui je vais tomber, même si j'ai ma petite idée sur le sujet, mais. Wow. Axe. Scandale. J'ai voulu Oshigra au début, hein, c'était pas très gentil. Je me suis dit quand même le respect. J'espère que je suis pas sorti trop tôt. C'est n'importe quoi ce qui se passe dans ce run pour l'instant. Ah ouais, bah Azox, si tu connais pas les glitches de Zelda, tu vas être impressionné. Hein. Ah. Oh non. La run est morte. La run est morte. Ça va changer tout mon timing. C'est trop bizarre, pourquoi je me suis pas retourné Putain. Il se passe des trucs chelous, mon gars. Et Auxilia, et merci. Non, bon, ok, la run est pas morte, mais. Fuck. Putain, je pensais pas rater ce genre de conneries là. De rater un truc pareil, ça. Le problème, c'est que je dois arriver à une certaine heure pour les aliens et là, je viens de perdre du temps. Donc, c'est pas très drôle.
mais j'arriverai à m'adapter en conséquence, je pense. Hey yo Jeffleur, je t'avais pas vu. C'est généralement pas très sympathique hein, quand on rate un truc à ce moment-là de la run. Ouais, bah c'est ce que je vais faire, Alex. Non, heureusement, la route est chaude pour les aliens, mais on peut toujours inverser le. Enfin, jouer le champ du temps inversé pour ralentir le temps. Cette partie là jusqu'au split milk, c'est une partie qui est pas vraiment facile. Oui, non, excuse bot, mais le run est pas mort. Hein. Non, le run est clairement pas mort. Mais ouais, mais j'ai pas envie de reset. C'est sûr que en All Mask, t'as vraiment, mais vraiment pas envie de reset. Hein. D'ailleurs dans toutes les catégories de Majora's Mask. C'est vrai que c'est dommage hein. C'est dommage que l'intro de ce jeu soit aussi long. Parce que le jeu est intéressant mais bon, en speedrun je parle mais... Faut compter que c'est mon jeu préféré mais... Ok, merci le jeu. C'était dégueulasse. Ce super slide est impossible. Je sais même pas pourquoi je le tente encore, franchement il est impossible. Je sais pas, ça me semble chaud hein, quand même de skip un coup. Franchement ça me semble chaud. Caméra qui me fait des petits trucs fun là. Eh oui mon gars, mais putain, mais la caméra mon gars qui a changé hein. Super hein. Bah voilà. Pourquoi dans tous les runs de toute la planète Terre, pour tout le monde, il faut toujours qu'il y ait un Never Happen Before tout le temps, tu vois. Tu pourras faire 5000 attempts, il y aura toujours un truc nouveau qui va arriver, une connerie. Et là, du coup, je suis vraiment méga en retard. De cette zone toute caca là. Je vais réaliser, ça me relaxera un petit peu. Ah.
vraiment, il y en a qui ont essayé hein, de skip le premier cycle et tout, de faire des trucs de barge, mais. Non, il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien. Il n'y a rien à faire. Et des fois, les gens, ils testent vraiment des trucs de dingue. Hein. C'est legit. Oui, c'est legit. J'avoue que ça pourrait faire un bon shooting star, mon gars. What the fuck? Je tente le méga flip. Allez. On verra bien. La vie est faite de mystère. Quand les notes ne passent pas. Les étoiles sont assez dégueulasses par contre dans ce jeu. C'est vraiment des pixels que ça se voit. Maman, il y a des trous dans ma télé. Le bon lac des familles à cet endroit. What? OMG, what? Pourquoi c'est pas passé du premier? Yeah.
Bonjour. Le DLC? Non. Non, non, le DLC il coûtait trop cher pour ce jeu, puis ça... Ah, ça vaut pas le coup, hein. Une strat foudroyante. Une strat foudroyante. Une strat foudroyante, il a dit. Ça doit bien être le seul truc que j'ai découvert en casu, ça. Le fait de pas utiliser le... Enfin, de spam le Lens of Truth, ce qui ne te fait pas utiliser de la magie. Ok, okay. Pas un shooting star, non, c'est sûr. And I say... Et même sur Amazon à 250 €. What? Il y a une version de Majora's Mask que je crois qui est rare. Ah, il faut que tu achètes ton puits, Alex. Thank you.
Nintendo s'est surfait, oui. Sûrement. Ah ouais, Banjo-Tooie aussi à l'époque, quoi. C'est dommage parce que c'est un très bon jeu. Ça. Je sais pas, Alex. Hein. Franchement, moi, je m'y connais pas trop en genre de deal de drogue, y a comme ça. Je sais pas si je vais gagner du temps. Hein. Non, c'est comme je sais pas, j'ai pas la Wii U, j'ai pas la Switch. Lol, skip, please. Ouais, à ce qui paraît, tu peux jouer sur Emu, Breath of the Wild, mais bon. Mais après c'est, ça dépend un peu de la chance, ça dépend même un petit peu, ça dépend plein de trucs hein. De perdre du temps sur ce split. Tu décupalasses. Ouais, j'avoue, Alex. Remarque, c'est pas faux ça. Hey yo, Blood Cipher, je t'avais pas vu. Ça va et toi? Thank you.
Ouais, c'est... j'avoue. Note de fan. Le chèque JVC. Bref, de toute façon. Ça, moi, je m'en fiche un peu. Vu que je n'ai pas le jeu. Il y a même San Andreas qui a eu 21 sur 20, ça on le dit pas ça. Ça c'est pas dit dans l'histoire. Mais après ils l'ont viré, ils ont fait non, faut pas déconner non plus. Ça se passe comment? Bah pas trop comme je l'espérais, mais bon. Enfin la run est largement remontable quoi. Oula, notez AMA sur MM, attention. Il vaut mieux me noter sur OTR, s'il vous plaît. Voilà. Oh putain. Qu'est-ce que c'était lent? J'aurais dû le practice, ça c'est con. 5 sur 20, non, faut peut-être pas déconner non plus, mais. Oui, Alex, merci d'avoir remarqué ça. J'ai galéré à bouger le stick en fait. Sur OT, c'est 420 sur 1. Dans mes rêves. Passe un petit peu la magie noire que je suis en train de faire actuellement. Ah. La meilleure cote hein, en Zura. Hein. Enfin c'est le meilleur adage. On juge pas un livre à sa couverture. J'ai bugué hein. Comics en MS, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? La même idée, ce qu'il y a, ouais. Oh. Alors, je peux peut-être pouvoir repasser devant, j'espère. Espérant que j'ai une bonne RNG. Commence bien. Oh, toi tu viens là mon gars, parce que toi je sais très bien qu'après tu vas te barrer à l'autre bout. Ce petit bâtard.
Et allez, on voit la RNG là. Les marcocottes. Allez, vite les textbox, vite, vite. Postiche, c'est ça, c'est le bon jeu. Postiche 3. On attend la run avec impatience. On attend le jeu avec impatience. Non, c'est un peu bizarre comme jeu postal. Faire trois fois ses droites au cas où. Quand on joue les champs trop tôt dans Majora's Mask, ça prend pas en compte les inputs. Bah voilà, c'est ce qu'ils sont en train de dire, Skybot. C'est un jeu un peu what the fuck. Mais ça, non, ça n'a absolument rien à voir avec Portal. Ah, le magnifique film, le film d'Uwe Boll. Bah le 1, je crois, Postal 1, il est bien. Après je sais plus si c'est le 2 ou le 3, c'est de la grosse merde, je sais plus c'est. Bon, alors le plus gros défi de cette partie là, je sais pas si vous savez, mais en fait il y a un truc très chelou qui peut arriver. C'est en fait si vous prononcez une certaine séquence de mots, en fait il y a votre chaise qui va se briser en deux et vous allez tomber en arrière. C'est assez RNG hein, ça arrive pas souvent. Ouais, ça doit suffire. Thank you.
Sacré gold, dis donc. Le casu. Ouais, je sais pas, vu que j'ai jamais joué. J'ai juste entendu parler où j'ai vu un peu du jeu, quoi. Mien. Petit mien. Bah. Voilà, j'ai chargé une page internet, ça drop à mort. Wow, par contre, faut pas déconner. Bon, bah adieu hein. Adieu internet hein. What the fuck? C'est bon là, non? Ça c'est en plus j'étais en dessous des 100 kilobits que ça a fait pouf, comme ça d'un coup. Adieu la connexion. Je pense que vous pouvez faire un petit pause play si vous voulez revenir un peu sur le stream. J'ai une bonne couche de drop. Je vais tomber mon gars en faisant un bouc ici. Je pense que je vais lancer ma grand-mère par la fenêtre ce jour-là. Quoi? Qu'est-ce que je viens de dire? Ouais, bah c'est ce que j'ai dit, Alex. Essayez de faire un post-play. Oh, oh ce coup mon gars de cette flèche. C'était si précis. Thank you.
Vous avez rien raté de fantastique. Ça se passe bien. En espérant que je rate pas le prochain saut de merde là, 50 fois. Oh Jésus. J'ai vraiment cru que j'allais le rater, hein. Jusqu'au bout j'ai cru que j'allais le rater. Je me prêtais déjà à décapiter des chats. J'adore comment pour choper l'œuf, la strat c'est de genre pas du tout viser l'œuf en fait. Ça a fini. Ah non, je vais. Non, non, mais putain. C'est dingue comment tu peux rien faire contre ça, parce que ça. Bon, ça allait quand même, à part cette salle à la fin, mais sinon ça allait. C'était une bonne Pirate Fortress. Non, je vais aller. Non, on va rien faire. Nous n'allons rien faire, nous restons stoïques. Bon, alors là, il faut que je. Faut que je garde équipé la bouteille des noix, c'est bien ça, faut que je garde équipé la bouteille des noix. J'ai pas de split Alex là, mais sinon ouais, ça aurait sûrement été un gold je pense. Faut que je garde équipé la bouteille des notes, c'est ça. Ouais, en principe c'est bon. Ah là, si seulement c'était skippable toute cette partie. C'est possible sur MM3D mais. Malheureusement ça ne l'est pas sur Majora's Mask. T'as raison. Wasteland. Wasteland de MM. Mmh.
là je fais pas le con, j'équipe par dessus la bouteille des notes. Ce bonk que je viens de faire contre le sol. Découverte cette Ocarina item quand même. Ça c'est Skater qui l'a découvert, l'ISSOI. Et ça c'est beau. Ça c'est une très belle découverte de sa part. On ne peut le nier. Non bah écoute Alex, comme son nom l'indique, c'est juste un mec qui fait du skate. Hein. Plus il a rechopé le WR en 10% là sur Ocarina of Time. Le WR c'était 17-13 et maintenant c'est 17-13. Il a chopé le record du monde de quelques dixièmes. J'ai dû avoir la deuxième frame, je sais pas là parce que... Nier ou pas nier, si nier. Nice. Ce run est un run. Bon. Combien? 130 rubis. 130 rubis. 40, 90. Ouais, non, j'aurais largement pas assez. Re-boot Cypher. C'est dommage.
Ça m'arrive souvent aussi, malheureusement. Tu viens de rater une bonne partie de la run, là. J'ai bien joué. Donc je suis assez content. Là, le recoil, je vais le pose buffer à mort, je m'en fous. Non. Marche. Putain. Yo Inyo, merci mon gars. Je m'en sors vraiment très bien là. What the fuck, Alex? Ah, première nouvelle. Je me suis levé pour la luminosité de mon écran, Blood Cipher, pour voir où je visais en fait. Ok, ça va. Ok, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Je me suis levé pour casser la gueule à mon écran. Pourquoi je l'ai appelé Georges, ouais. Petite référence à une connerie. Je crois... Je sais pas si c'est mon... Ça doit être mon meilleur run là, il me semble. Quel est votre Zelda préféré? Et bah moi c'est Majora's Mask en casu et... Je dirais qu'en speedrun c'est quand même plus Ocarina of Time. Qui est même plus que mon Zelda préféré, hein. C'est carrément mon jeu préféré.
T'as pas trop aimé en casu, ah ouais, sérieux? Peut-être à cause de... Bah, généralement, les gens, quand ils aiment pas trop, c'est à cause de l'horloge du jeu, là. Là, ça pue mes équipes là. Faudra que je les change. Et bien évidemment, c'est Breath of the Wild le meilleur car il a 20 sur 20 sur jeuxvideo.com. On acceptera les Wind Waker éventuellement. De réussir aucun quick jump slash. Et voilà, là j'ai été servi. Bon, moi j'ai réussi le quick jump slash. Déjà pas mal. Allez. Ouais, mais j'imagine, de toute façon, ouais, c'est pas le même style de jeu. Hein. C'est sûr. Mais bon, à ce compte-là, on peut compter Zelda 2 aussi comme étant extrêmement différent des autres Zelda. Le seul Zelda où il y a des vies et de l'XP. Quinte, enfin un re plutôt, que j'ai vu ce matin. La map est trop grande, genre c'est vraiment trop grand. Y en a qui vont apprendre ça mieux que leur quartier, tu sais. Garantie certifiée. Le sub 2h50, oui, c'est dans la poche. Oui, ça fait un petit moment, ça quand même, un peu. Putain, cette perte de temps, j'ai pété le deuxième pot alors que j'avais toute ma magie. En ce moment, Ineo, attention, c'est devenu un grammar nazi. J'ai trouvé la Master Sword au coin de la rue. Oh, une épée rouillée. Ah non, c'est la Master Sword. Thank you.
déteste quand la lune tremble en même temps. Bon. Effrayant ce truc, je devrais tellement pas le faire. Eh ouais mon gars, mais putain, mais en même temps tu mets 20 ans à te placer et ça m'a... Il veut pas ce connard là, sérieux quoi. Foutage de gueule. Allez, 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 vas-y, rajoute-en, putain. Et allez, maintenant il est trop loin, bah oui. Putain. Tu veux plus malchanceux que moi ou quoi? Non, non, tu peux pas, non. Putain. Foutage de gueule. Là le jeu s'est bien foutu nous. Yo Blasia. De toute façon, je sais pas pourquoi je me plains. C'est pas comme si c'était possible d'avoir une run sans erreur. Merci. Évidemment, je savais que ça allait pas passer, mais mon gars, je bougeais, ça bougeait pas en fait, hein, mais genre, j'ai pas trop compris. Et là voilà, je suis allé sur internet, je suis en train de perdre. C'est complètement dingue ça. Juste le fait d'afficher Firefox, ça me fait perdre internet. C'est complètement dingue, sérieux. Oui. Yo petit panda. Donc désolé, bah là je drop, mais bon voilà, vous pouvez pause play. Hein. Putain, mais ça me pète les couilles ce truc là. Oh ça me pète les couilles ce truc de malade. Oh putain. Oh ce split, putain ce split. Ce split mon gars. Foutage de gueule, tu fais des inputs, c'est jamais ça qui passe. Putain, quand tu fais un bouton, je sais pas, fais le bon truc, sérieux quoi. Jeu de merde. Là. Non, je peux pas aussi. J'ai pas un forfait 2000G. Là. Oh! Oh toto, putain j'ai eu peur. Hein.
Et allez! Mais putain de lag de merde, mais. La run est morte. La run est morte, j'ai plus assez de bonjou. Putain, incroyable, ça faisait 20 000 ans que j'avais pas eu ce cutscene skip. Dieu veut que cette run vive, mais genre à petit feu. Putain, mais quel jeu de merde, mais sérieux, mais il m'encule des fois, mais c'est un truc de malade. Hein. Genre, en fait, c'est abusé, parce que là, je perds du temps, mais pour des trucs que je peux pas contrôler, en fait. C'est n'importe quoi, sérieux. C'est pas moi qui décide, c'est le jeu, en fait. Il, bof, s'il est de bonne humeur. Hein. Sauf qu'il a tout le temps une humeur de merde avec moi, hein. Tout le temps vouloir me sodomiser. Hein. Je vais être obligé de prendre les bons choux. Hein. Sinon, la reine elle va mourir. Hein. Ça, hein. Heureusement qu'il y a ces bombes choux là, mais bon, je vais perdre du temps. Hein. Je suis maintenant là, 2,5, 2 écarts, 3 quarts. Oula. Ah non! Putain! Ah, ça. Ouais, ce qu'il doit.
fout de ma gueule ce jeu. Il se fout de ma gueule, hein. Mais il se fout de ma gueule, mais comme pas possible, c'est un truc de dingue. Alors heureusement là c'est bon, ça va. Ça va pas trop être. Yo Desti. La chaise musicale. Bon du coup là je perds masse de temps. Pour moi j'ai pas de répercussions sur le split d'après. Bon. Et la run est toujours en jeu. Cet endroit c'est vraiment l'endroit le plus dur de la run, hein. C'est tout ce qu'il y a après minuit là, genre après le Splitlight Arrow, et même le Splitlight Arrow d'ailleurs, c'est la purge, hein. C'est... Franchement je suis content de perdre que 10 secondes. Le Boulangerie Comedy Club. Ça me rappelle quelque chose. Ok Destiny, à plus. Elle a vu une cutscene, elle s'est dit oh non, on va pas rester là. Là les trois prochains splits ils me font... Non, alors ce split là ça va, c'est les trois prochains splits après qui me font peur. J'ai vraiment, vraiment très très bien fait de prendre les bombes choux du graveyard. Si j'avais pas fait ça la run, elle serait morte. Non, mais c'est sur le split Pokémon Sun, là j'aurais pas dû perdre du temps. Bonjour. Ou elle est pas contente la princesse. J'ai un petit peu de magie, c'est parfait. Ça me permettra d'aller vite. Pas mieux d'équiper le Zora en fait. Je vais vraiment essayer de bien jouer là. Pour une fois. Déjà cool RNG là. Super. Merci le jeu.
tan 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 tan. J'aurais préféré même pas perdre un cœur, mais bon, ça va. Si je reste à 4 cœurs, c'est bien. Pas sûr de si j'avais réussi le bottle dupe. Ah putain, je pensais que j'allais pouvoir esquiver le dommage. Mais... Ok. J'aurais pu mettre un split ici en fait. Mais à la base j'en avais pas mis parce que je jouais pas le champ du temps inversé au même moment. Toujours assez chiant de pas avoir de magie ici. Ah. Mais bon, là c'est RNG, hein. Je peux pas. Si je veux vraiment aller chercher de la magie, ça fait vraiment perdre du temps. OMG! Je fais vraiment des erreurs de merde aussi, sérieux. Si j'étais pas un gros débile aussi. Je sais pas combien
de temps j'ai perdu à cause de ça? 20 secondes, 15 secondes. Ouais, la princesse dans une bouteille, ouais. Beaucoup de souplesse en effet. Oh ta gueule, mais putain, mais. Oh, mais quelle fin de cycle de merde, sérieux. Putain, le jeu il m'en veut. Hein. Et ça, si je fais la route normale, là c'était run killer en fait. Hein. Juste enlever le masque, là c'était la fin de la run. Si je faisais une autre route qui est un peu plus rapide. C'est dire la coolitude du masque des fois. J'aimerais bien que quand je fasse droite, ça aille à droite en fait. Pour l'instant, c'est pas trop une réussite. Hein. On en parle que la run a failli une réussite aussi. Pareil, là je tombe, la run est morte. Pourquoi j'ai fait ça? En fait, je sais pas pourquoi je practice. Je sais pas à cause de ça. Pas gagner de temps. Ouvre la porte s'il te plaît, putain. Putain, sérieux quoi. Il va me rendre fou ce jeu. Allez, oui, bisous, bisous, là. Si j'avais laissé le curseur là où il était, le jeu aurait crash.
Bienvenue dans Majora's Mask. Bienvenue dans les jeux Zelda en général. Merci pour le follow, j'aime Barca. What? Je pensais pas rater la première bombe. Ça me fait chier, je suis à 2 cœurs et demi, c'est pas beaucoup. Et au niveau des bombes, 5, 4, 3, 2, 1, il me restera une bombe. Faut pas que je me rate. Le coffre, c'est cool. Parce que mine de rien, tourner avec le bunny hood autour du coffre, c'est chiant. Ça paraît pas comme ça, mais... Toujours plus d'idées hein, pour tuer les runs. Ok, bah ça commence super bien. Ah, nickel. Thank you.
Eh ben, je ne suis pas du tout satisfait. Devant, c'est déjà pas mal. Bon, c'est maintenant qu'il va commencer à falloir aligner les étoiles. Des fois, on sait pourquoi un truc fail, mais moi je. J'ai abandonné l'idée de savoir avec ce jeu. Ah, d'accord. Ça, c'est pareil, c'est. Ça devrait pas arriver, putain! Ça devrait pas arriver, ça ne devrait pas arriver. Ça devrait pas arriver, putain! Pourquoi ça arrive alors? Sérieux quoi?
D'accord, bon bah allez, vas-y, on invente des nouveaux trucs. Hein. La run est morte. J'ai plus assez d'explosifs. Et je peux rien faire. Bah ouais, mais tu sors pas la bombe. Je peux rien faire, je peux rien faire. Je peux rien faire. Oh putain, oh. Incroyable. Sur 8 attempts, ça s'est passé une fois normalement. Ah bah Zuzu, si t'as une idée de pourquoi ça fait ça... J'ai plus assez de bombes. Le pire c'est que je me connais Ranger. Mais je vous jure, je peux pas keep calm avec ce putain de jeu de merde, c'est trop chiant, je vous jure c'est trop chiant. Ça si c'est arrivé une seule fois, mais non, c'est tout le temps, des run killers, tu sais pas pourquoi, tu sais pas. C'est ça le problème, c'est que tu ne peux pas savoir en fait c'est quoi le problème. C'est impossible. Je t'invente des trucs. C'est même pas censé arriver ce qui vient d'arriver. Je comprends même pas. C'est sérieux, c'est un nouveau truc en fait. Ça c'est pareil. Alors ça, ça marche quand ça veut. Bah, tiens, j'aurais pas eu la bonne RNG. Encore un truc qui marche que quand il veut. Hein, voilà. Toujours plus de. Toujours plus de fun. Ouais Tom, mais si tu savais. Si tu jouais un. Si tu speedrunnais un jeu RNG, tu verrais. Un jeu RNG qui fait des surprises en plus, tu sais. Même le jeu il comprend pas, il sait même pas ce qu'il fait, il me fait passer à travers la porte alors qu'une poupe d'avant il est pas passé quoi. Ouais par rapport à MM ça doit être des kilomètres quand même. Mais c'est vrai que j'ai oublié que tu faisais l'effort de... Thank you.
Yo Krex, merci. Ok, bon, je suis ça, je suis ça. Pour une fois, le jeu il a été gentil, je pensais pas que ça passerait en vrai. Mais... J'ai changé de siège. Je devrais équiper l'Ocarina à ce moment-là. À la place des bons chus. Yo les gars. Pas jouer à grand chose, j'ai failli m'auto-niquer. Ah, ça va bien et toi? Gold. C'est pas comme ça que j'aurais dû repasser devant. C'est pas avec ces splits là que je devrais être à moins 40 secondes. Non, putain, je suis trop bon. Comment je peux oublier des trucs pareils, hein? Aie pitié de mon âme, s'il te plaît, fais que ça soit sub 2h45. C'est pas grave de faire de la magie sur le premier. Ou sur les autres. Oh, merci. Ah mais c'est n'importe quoi ce qui s'est passé à Lullaby Skip. Ouais, je suis un mec comme ça, ce que... Putain, il est con. Regarde si je peux passer à gauche de la torche.
Bon bah Tom, ça a pas duré bien longtemps là quand même. Mr. Cuber, merci. Je vais faire de mon mieux. C'est pas fini, hein. Il y a encore plein de run killers. Annihiler la race humaine. J'en étais sûr, il faut jamais. Au grand jamais. Mettre les bombes sur ses droites. C'est une blague, sérieusement, ce jeu, c'est une blague. Perdre 30 secondes. Genre vraiment, en fait, c'est pas une blague, hein. Je pense vraiment que je viens de perdre 30 secondes. Tout ça parce que j'ai posé une bombe par terre. Si punitive cette catégorie, si punitive. Ah, ah bah oui. Excusez-moi, en fait, je savais pas qu'il fallait le faire 157 fois en fait, ça marche. Cette run, je crois que ça se résume en fait, j'appuie sur les boutons mais ça marche pas, ça marche pas en fait, les boutons sont faux. Yo Flo, merci. Faire.
fais si up mon gars. Tu fais Z, la caméra elle est plus du tout au même endroit. C'est déjà un miracle que le jeu m'ait craché la sculpture là. Ouais, bah, je sais bien Alex. Mais sur MM c'est encore plus visible. Oh, j'ai envie de pisser en plus. Ouais. C'est parce que la boulangerie c'est Koh-Lanta, voyons. Et à la fin, il n'en restera qu'un. Oui, bah allez. In before, j'ai même pas le temps de faire ça et. La run va mourir soon. Ah, avec c'est vieux comme même en plus ça. Ouais, le meilleur masque qui prend 20 ans en plus. Je refais un run après. Quand est-ce que je peux pisser? Dans 10 minutes? Même pas. Bon. Frédéric. Ça me laisse le temps de réfléchir à mes inputs, à mes, pas mes inputs, mes équipes. Il faut qu'Irina aille top. J'ai raté la photo encore. Je voulais ma tête sur l'écran. Falcon. Punch. Punch. Bâtard.
Oh. Bon, sub 2h45, toujours possible, hein. Quand même. Vu qu'il y a beaucoup de temps à gagner sur les deux derniers splits. Derrière un moment dans ce run. Oui, au début. Bon. Je sais pas que je suis passé derrière du coup. Ça. Ça, même si je récupère pas Camaro's Mask, je perdrai du temps. Fury Awards, ouais. Ah non, merde, putain, je suis con, j'ai mal compté en fait. Je suis gouré d'une minute dans mon calcul. Bah, tant mieux. Hein. Parce que je me disais, putain, je vais perdre énormément de temps. Le masque de Camaro. Je sais pas comment il s'appelle en Japon. Donne-moi ton corps, bébé, donne-moi ton souffle. Il y a un gouet qui vole sur place derrière. Je fasse de la merde si je veux sub 2h45. Hi.
pense que c'est mort pour... C'est pas mort pour PB, mais c'est mort pour sub 2h45. Putain. J'arrive pas à PB dans cette catégorie, hein. C'est impossible. Je vous jure, c'est impossible en fait. Il y a un mur. Il manquait plus que ça. Moi, je vais pisser, mais ça va me calmer. Hein. Ouais, mais Mr. Cuber, ce split encore là, ça va, je pourrais le faire. Je pourrais gagner les 37 secondes qu'il a gagné. Mais après, c'est Majora. Majora, c'est. J'ai beau avoir Fierce DT, ça reste RNG. Il peut te défoncer dès le début. Je passe sub 2h45. Je vais PB, je pense là, mais je vais pas sub 2h45. Il y a une magnifique chaise hein, qui sert à vous occuper. J'espère que vous avez eu le temps de l'admirer.
putain au crack ça. La première fois qu'il va aussi loin mon gars. Y a Antoine. Ça faisait longtemps que tu avais pas vu ce qu'il y avait. Moi aussi j'étais choqué quand je l'ai revu. Merde, non, c'est pas je préfère PB que sub 2h45. Ça a été bizarre ma phrase, enfin je suis prêt. Marco, c'est saut 2013. C'est beau ça, Scum. C'est beau ce que tu dis. GG le glitch. Merci Alexander Drizzy. Amazon Fire. Bah non non Ama is terrified, hein. MM was on fire. Putain, j'ai failli rentrer dans le téléporteur.
qu'il faut lui redonner, car j'allais lui donner le deuxième. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait plusieurs Xbox. OT, thank you. No, this time I will PB. Even if it's a very small PB, I will PB. But thank you. There is no way this run is not world record. Pour l'instant, je suis toujours derrière le PB. Enfin genre s'il y avait la vidéo à côté là je serais toujours derrière. Et voilà, je suis devant le PB. In this case, you say, yeah. Bonne chance. Courage is more like when the runner is desperate, you see. Je passe sub 2h45. Yo Morse. Desesperados vibes. C'est ce que je t'avais dit, Mr. Cuber, là, je peux... Je t'ai dit, ce split, ça allait, mais c'est celui-là, hein, je pourrais jamais sauver tout le temps, impossible. Hein, allez, j'estime, on va dire... Allez, 10% de chance pour que je sub 2h45. Je sais pas. Ça m'étonnerait. 10 secondes. 10 secondes c'est faisable mais... Bah ouais, pas trop le dire. Ouais, de toute façon, je m'attendais pas trop quand même à sub 2h45. Ah, c'est desperate, pas desperate. Okay.
Bon, c'est quand même.